Ông quay chỗ. Ông chúng tôi chụp đẹp cả to cái chụp đại ca này thì sẽ mặc cả ở nơi thay đi. Ông chụp đẹp nâng bần to sắp đặt thay cầm sợ xây số số chiết ở nơi về bắc hay nâng về đồ xiêu ông chụp đẹp nâng vừa sắp mặc cả sắp đặt thay cầm sợ xây để miền hạ sơn niềm thì gì để ví dụ của mùi rồi sai sẽ phẩm bảy làm gì sắp mặc cả đâu ដាក់បន្ទានឡើងរៀបការពិធានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរះក៏ហើយអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការថ្ងៃនេះសូមគោរពជម្រាបលោកប្រធានក្នុងសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកជញ្ជាត់ចោលលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្មនាការតាមដោយសម្ដេចរបស់អង្គជំរះសាលាដំបងដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាព សាមេតវីនាំមកជាតំណាងដើមនៅរដ្ឋវេនីលោកពេជ្រអង្គបានជួលនឹងមកថាលោកអវតមាននៅពីសាវនាការមួយព្រឹកដោយសារមានមូលហេតុធុរៈតខ្លួនដោយតែលោកប្រធានបានជម្រាបសាវនាការបាញ់មិញគឺសាវនាការនៅព្រឹកនេះនឹងស្ដាប់សាកបន្តស្ដាប់សាកថ្ងៃកម្មរបស់សាកសៃសូសូជេតនៅពេលរសៀលស្ដាប់សាកថ្ងៃកម្មរបស់សាកសៃដែលមានរាសនាម TC ចប់មួយដោយ43សាកសៃTC W643នេះបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកនៃអវតកកាលពីព្រឹកមិញនេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពទៅគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិប្រពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬតាមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេហើយសាកសៃបន្ទាប់នេះក៏នឹងមានមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់លោកមមលធា សាកសៃថ្ងៃនេះក៏មានសាកសៃសម្មនាការថ្ងៃនេះក៏មានសាកសៃបំរុងមួយរូបផងដែរដែលជាសាកសៃទើបបញ្ចូលថ្មីស្របតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងឯកសារ E266-3 និងឯកសារ E288 សូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណលោកអន្តរានជាបន្តទៅនេះអរញាផ្ដល់វិធីការជូនទៅដំណាងថាប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាស តាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សៃក្រុមនេះសូមជួយដំណាងសាក់ព្រេញ្ញាខេសរីណូសូមផ្អាកតិចលោកដំណាងសាក់ព្រេញ្ញាដែលលោកចក្រមឡាវែងទំនងជាគាត់មានទំនួរមួយចំនួនចង់សួរចំពោះសាក់សៃរូមនេះដែរសូមជួយលោកចក្រមសំមកឡាវែង Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame Sosociat. J'ai effectivement plusieurs questions, même un bon nombre de questions à vous poser ce matin pour compléter votre témoignage d'hier. Tout d'abord, j'aurai des questions concernant l'état civil de votre famille. Lors de la demande de mise en liberté de votre époux, les avocats de ce dernier ont remis à la Chambre un certain nombre de documents. Parmi ces documents, il y a la copie d'un livret de famille. Il s'agit du document E275.8. Or, ce livret de famille est établi au nom de six langues, S-Y-L-A-N-G. Et il apparaît que, c'est sur la page 3 de ce document, M. Kyusampan, a priori, a un alias qui est six langues. Alors, est-ce exact? Et si oui, depuis combien de temps ជាជាទីលាភលេងស៊ីឡាងនេះតាំងពីពេលណាមកសូមជម្រាបស៊ីឡាងឈ្មោះបងប្អូនគាត់ហៅនៅផ្ទះលេងហើយយើងគិតថាដាក់អានឹងទៅរួចទៅដាក់ឈ្មោះនឹងហើយចាំបន្ថែមវងកញ្ចក់នឹងគាត់ឈ្មោះលេងនៅផ្ទះ
Ce n'est pas son nom officiel, madame. Son nom utilisé dans sa famille, ce n'est pas son nom officiel. Depuis quand M. Que Sampan fait-il usage dans des documents, officiels du nom de Silang? Et pourquoi? Dương nhầm cơ chứa sự phân cụ xa ní đòi dù lực hình thà bà chung phò chắc quát để hai lên nơi té rồi tới vùng cái chỗ đặt lúc khi xâm phòn tạm còi anh đứng có bàn chuộc cho mũi khang khuôn khang ấy chẳng tới tháng chẳng đặt bàn đấy chẳng đã anh chẳng nâng cứ miên tăng vì mòn nơi bay lớn cứ đặt thầm nâng ai lúc khi sầm phón nâng cứ chung quạt tăng vì đau màu Bien, on va passer à une autre question. Sur ce livret de famille, il apparaît mentionné l'existence de quatre enfants. Le premier de ces enfants, c'est un garçon, et vous avez, sauf erreur de ma part, déclaré hier qu'il était né le 4 mai 1974. Or, sur le document officiel, il est déclaré être né le 6 juin 1974. Alors, qu'est-ce qui est exact? Ce que vous avez dit hier, ou ce qui est mentionné sur le document officiel? Việc đại dạng mấy ấy dạng mấy đó mở xu cối bàn việc rạp tại tao gặp bất khôn nhóm các nữ khai đơm khai prám ngày buôn khai prám chất sập buồn nâng vi chạy thật đạc chân là chân đạc ta mà tạ sinh nhân là ban được bỏ về mình Alors, ce garçon, donc l'aîné de vos enfants, vous avez déclaré hier, sauf erreur de ma part, qu'à l'âge de 3 ans, il avait été envoyé dans une unité d'enfants, où il était pris en charge, si j'ai compris, de façon permanente. Alors, j'aimerais comprendre, qui est-ce qui a pris cette décision d'envoyer votre enfant dans une unité d'enfants? Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que c'est une décision prise par votre mari? Est-ce que c'est une décision qui vous a été imposée? Est-ce que vous l'avez contestée? Comment ça s'est passé? Nếu không muốn tì chỉ rùm cư ca sầm rạch ấy cư tam và thiên muốn tì để cực cồn nơi cả lại muốn tì nụ vô thọ có bấy cư nẹ muốn tì có bấy cư cực cồn nó chẳng kê sầm rạch ấy mò xua dương đá bàn tay ca sầm rạch ở rụi hào ấy dương áp miên xong đi kê bàn tì vì prua chỉ rùm tiếng ốc nia trời tự do tự động chân mà đai thầu thơ ca cái miền nẹ mưa trăm trời chân được chưa trời tự do tự Vous avez dit hier que votre enfant revenait de temps en temps auprès de vous. Vous avez noté qu'il était malheureux et qu'il ne voulait pas vous quitter.
qui le forçait à partir, retourner dans l'unité des enfants. Qui? Est-ce qu'on le forçait à repartir? Et si oui, qui le forçait à repartir? Phần tế đo là ngay hơi là con thơ từ từ vinh thì bố ấy nên đi ăn miền Nam mơ tê mai thử ca thì cho nên con thơ từ từ được hiểu ấy thơ như cho mùi con chân cuộc sống mau mà tất thao từ chun con từ vinh mùi ở tịch. Est-ce que votre mari a marqué à un moment donné son désaccord par rapport à ce qui était imposé à votre enfant de 3 ans? Est-ce qu'il s'est plaint ou est-ce qu'il a dit qu'il fallait obéir à l'encart? Thầy dừng tới đây vừa chỉ rùm tầng ọc này anh chẳng hái. Vì nay dừng đang kịch dàng mấy thầy tự. Est-ce qu'il s'en est plaint auprès de la personne qui dirigeait K1, K3? Et quelle était cette personne? Où était votre fils au moment de l'évacuation de Phnom Penh? En 79. Madame Sosochiat, hier, vous avez déclaré avoir accouché d'un troisième enfant peu de temps avant la prise de Phnom Penh par les Vietnamiens, en janvier 1979. La question que je vous pose, c'est où était votre fils au moment de la prise de Phnom Penh en 1979? Việt Nam vay cho thì cộng đồng Pinh này cho nam mà buồn rồi chắc sẽ buồn cha còn pro khi ông nơi cái này mình đôi cụ mà nơi lao thì donc
ni votre mari, ni vous-même ne vous êtes occupé de votre fils. Je n'ai pas entendu votre réponse, je ne sais pas. C'est un problème de traduction. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse? Après ce fils aîné, il est mentionné donc un deuxième enfant, une fille, qui est née, qui serait née le 19 septembre 1976. C'est ce qui est mentionné dans le livret de famille. Est-ce que vous confirmez cette date de naissance ou non? Donc elle est née en septembre 1976. Vous dites le 13 septembre, c'est ça? Bien, donc hier, madame, vous avez expliqué que votre fille vous a parlé et c'est grâce à elle que vous avez compris ce que votre mari faisait comme travail pendant la période du Kampuchea démocratique. Sauf erreur de ma part, vous avez dit que votre mari emmenait sa fille et que, en sa compagnie, ils avaient visité des entrepôts où il y avait du matériel et de la nourriture entreposés. Est-ce bien exact? Alors, qu'est-ce que vous a expliqué votre fille qui avait, sauf erreur de ma part, elle n'avait pas 28 mois au moment de en janvier 79. Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué du travail de votre mari que vous n'aviez pas encore compris? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle faisait des longues phrases, elle faisait des discours? Anh ấy vì mệt práp tế, cả nâng côn nhóm bà hà chân mùi cho nam chiêng. Khai thang ai mắn nhóm bắt đăng ấy bắt tay mùi cho nam chiêng ấy. Vì chè nị dây tích tích. Cả nị dây này cứ còn là thà. Cụ tự hó. Nô nô. Mắn. Mắn. Hay vì dô chư rư sấy mà vật đạn nô nô mắn mắn. Khi ông chè cho sấy nô nô mắn mắn. Anh ấy còn tập viên xâm đầy nhìn chân tế vì ọt mình práp tế.
Alors, j'aimerais comprendre, est-ce que c'est oui ou non, grâce à votre fille, que vous avez compris ce que faisait votre mari pendant la période du Kampuchea démocratique? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit hier? Ôi từ khám vô lực than, cái đất tư, quát nẹ prạp, ai côn nhóm ở thế. Vì chả ta lê chẳng hãy chồng xua, xua nâng xua quát thế mà anh xua côn nhóm thế, xua quát, xua bà đây nhóm. Bà đây chẳng còn dây prạp như chồng. Alors, qu'est-ce qui vous a expliqué, madame? ដូច្នេះហ្នឹងតើគាត់ប្រាប់លោកស្រីថាម៉េចឲ្យច្បាស់ទៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលថាពេលលោកស្រីឮកូនប្រាប់ថាអីនោមានអីអញ្ចឹងតើពេលខ្លះគាត់រវល់នេះដែរគាត់បញ្ញាប្រកួតទៅថាទៅរៀបអីវ៉ាន់ថាហ្នឹងត្រូវឲ្យគេរៀបអីវ៉ាន់គាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះរវល់ហើយបានយកកូនទៅទេគឺត្រូវរៀបចំសម្ភារៈមួយចំនួនយកទៅឲ្យខាងមូលដ្ឋាន ហើយជាហូហែមកគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថារៀបអីវ៉ាន់នៅប្រចាំនៅកន្លែងគេមានកន្លែងគេរៀបផ្សេងទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ឃើញមានអីនេះផងឃើញតែនិយាយតាមគាត់គឺគេប្រាប់មកឲ្យរៀបគឺរៀបអញ្ចឹងមិនមានសម្ភារៈនៅកន្លែងហ្នឹងទេអត់ទេ Bien, nous reviendrons plus tard sur les activités de votre époux et sur ce que vous en savez. Il y a donc l'indication de deux autres enfants, une fille qui est née en 84 et un autre garçon né en 87. Et vous avez dit que, par ailleurs, vous aviez donné également naissance à un autre enfant, donc c'était cet enfant qui était né au début de l'année 79 et qui malheureusement est mort un peu plus tard. C'est exact. Vous avez dit, je crois qu'il était mort alors qu'il avait 7 mois. C'est exact. Alors, en ce qui vous concerne, j'ai noté que vous étiez originaire d'un village qui s'appelle Kakpon, mais je dois prononcer très mal son nom, et que ce village était situé dans le district de Rovien, dans la province de Préville. Est-ce que cet endroit, pendant la période du Kampuchea démocratique, était connu sous le nom de secteur 103? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps la région de Prévire avait été libérée par les forces révolutionnaires? Était-ce avant ou après l'annonce de la destitution du prince Norodom Sihanouk?
Est-ce que vous nous dire un petit peu comment s'est passée cette libération? Et est-ce que vous pouvez nous dire en particulier si les habitants de la ville de Rovyang ont été évacués? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y avait pas eu d'évacuation? C'est ça ce que vous voulez dire? Est-ce qu'à un moment, les gens de la ville de Rovyang ont été évacués? Et quand? Est-ce que les bonzes étaient toujours dans les pagodes ou est-ce qu'ils avaient dû quitter les pagodes? Et quand ont-ils quitté les pagodes? Est-ce qu'au moment où vous êtes marié, il y avait encore des bonzes dans les pagodes? Est-ce que vous avez noté la mise en place de coopératives? Au moment où vous-même vous partez dans le maquis, dans la jungle, suivre la révolution, est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des coopératives qui étaient mises en place dans votre région? Đội mình toàn miền và cả sài co thì tất là sẽ hạ co thế. Quand avez-vous eu connaissance de la mise en place de coopératives? Đại lục xây đăng thang miền ca bằng cao xã co. Sống tốt tiếng on đi khi ông ọt ban trăm vì lúc ấy khi mình chuyển nhẹ nội dụ bài tế từ đó khi ông quan đã đắm bài. Đối với này, rương thằng ớt đây, tệ tân năng xã co năng ấy nhóm ớt đầm, vì bà cao tê là bình cảm. D'où venait la nourriture dont vous serviez pour préparer les repas? Est-ce qu'elle venait de paysans individuel ou est-ce qu'elle venait de coopérative? Mok pi na mok pi kasekor ptoal rui ko mok pi sakor mok hop maha da yok mok phoe chea mok hop ku at dang yok mok pi khang na te roal rieng roal pel da ke yo mo ke at dae prab tha yo mo pi khang na te kon da yo mo hai khang yeu khnyom tveu ta panang. Les repas. Donc on va parler maintenant de l'endroit où vous viviez avec les dirigeants au bord de la rivière Chinit. Donc cet endroit, il s'appelait comment? B-17? B-17?
nơi cái lại nưng khom mần đăng cái hào ấy tê phân thật mần tí stưng chi nứt đăng chi chmu chi lê chi ấy nhom ở đăng đai Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B17 qui n'était pas le bureau de Chinit? Et où était situé ce B17? Cái nông kê hai tháp phùm sầm rồng sọc tưng tròn phùm nhóm ạch qua lê vẫn đang thả sọc tưng tròn khai cả bông chàm. Alors au bureau de Chinit, à B17, à B20 ou ailleurs, est-ce que les repas se prenaient en commun? Est-ce que dans ces endroits, on avait pratiqué une certaine forme de collectivisation? Quand vous rencontrez M. Kyo Sampan, vous nous avez dit hier que vous saviez simplement que c'était un intellectuel. Est-ce que vous avez entendu parler d'un document qui s'appelait Déclaration des intellectuels patriotes, document signé par 91 intellectuels réfugiés en zone libérée? Est-ce que vous avez entendu parler d'une déclaration qui s'appelait comme cela? Est-ce qu'il vous arrivait de discuter avec votre futur époux, avec votre époux, de son rôle ou du rôle des autres dirigeants et de ce qu'était la révolution? Nét đặc nguồn bạc đề vọt rồi mới có nơi ấy tế khoản thái anh để dễ chếp tỏa luôn. La révolution ne vous concernait pas, ce n'était pas un sujet digne d'intérêt entre vous deux? Xong tốt lục và thiên tây trong hà xuôi mình dạng dạng mấy trăm được ạch dồn. Vous étiez parti dans la forêt, dans la jungle, pour vivre une expérience révolutionnaire. Vous aviez suivi des séances de formation. Ces séances, vous avez été assuré par une dénommée IEM.
Donc je suppose que vous aviez un engagement qui était un engagement révolutionnaire. Vous n'étiez pas là par hasard. Est-ce que vous avez discuté de vos engagements révolutionnaires respectifs ou est-ce que c'était des sujets qui n'étaient pas dignes d'intérêt entre vous ? Est-ce qu'il était question de discipline, madame? Est-ce que vous savez ce que c'est que la discipline? Est-ce qu'il était important d'obéir à l'encart? Je suis désolé, madame, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé si pour vous la discipline c'était quelque chose d'important. Est-ce qu'il fallait obéir à l'encart ou est-ce qu'on pouvait discuter ? Est-ce qu'à cette époque, vous avez vu votre mari exprimer des doutes, des inquiétudes, des interrogations, ou bien est-ce que vous l'avez vu toujours être d'accord avec les dirigeants qui étaient avec lui au bureau de Chinit ou à B17 ou ailleurs? Quand avez-vous appris que votre mari avait des fonctions importantes, fonctions de vice-président
Premier ministre Grunk, le commandant en chef des forces armées révolutionnaires. Quand l'avez-vous su? Madame, est-ce une personne ordinaire qui a accueilli le prince Norodom Sihanouk en 1913 lorsque celui-ci a visité la zone libérée? Ou bien avez-vous entendu à ce moment-là que votre mari occupait des fonctions importantes? Qui a accueilli l'ancien roi? Est-ce Pol Pot? Est-ce Nguyen Chea? Ou bien est-ce votre mari? Qui était à la tête du front pour accueillir le prince Norodom Sihanouk? Était-ce Pol Pot ou était-ce votre mari? Madame, hier, vous avez déclaré que au moment de cette visite, vous étiez mise au service du prince Norodom Sihanouk. Vous étiez donc au premier rang pour voir ce qui se passait. Est-ce que votre mari n'était pas celui qui était en charge d'accueillir officiellement le prince Norodom Sihanouk? បាយទឹកកតុប
Avez-vous entendu les mots de comité central, comité permanent, congrès du FUNC? Avez-vous entendu ou vu votre mari préparer des discours? ដល់ពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទាំងអស់នេះទេពីព្រោះគ្រាន់តែផ្នែកមួយជាអ្នកដាំបាយដូច្នេះអារឿងធំធំរបស់នយោបាយពីព្រោះអីខ្ញុំអត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹង J'aimerais comprendre, madame. Est-ce que c'était des choses qui ne vous intéressaient pas et donc vous estimiez complètement inutiles, ou est-ce qu'il vous est arrivé de poser des questions à votre mari? Đôi xa thật nhau mình chạp ở rộng rừng mùi nít bực rồi ấy khi ông lục vô nực mong tẹp bài nà. Nguyên phê từ ban bị cừu phía phía xa rồi gặp ở đây khi ông ấy prap ấy ở miền tế. Phía là cách riêng riêng luôn. Bien, donc, quand votre mari partait, parce qu'a priori il est parti, peut-être c'est une découverte pour vous, mais il est parti. Il est parti faire des voyages en Chine, il est parti faire des voyages à l'étranger. Est-ce qu'il estimait que c'était des sujets de conversation qui pouvaient vous intéresser? Est-ce qu'il vous en a parlé? Ou est-ce que vous n'en avez jamais parlé? Rương đi ca nghe rồi bác quát nhóm ọt đai mà bẹp quán thế còn đã đăng thả anh quát tới chân đồng bây chụp xuống đạch và nâng đăng Thế tu, vous disiez Je vais rencontrer le prince, je ne sais pas quand je reviens. C'est tout ce qu'il vous disait. Est-ce que par hasard vous avez entendu parler de sept super traîtres? Hier, vous avez déclaré que avant le 17 avril, vous avez d'abord été à K17. Puis à B20, et après vous avez indiqué que peu de temps après la naissance de votre premier enfant, vous avez déménagé pour aller vers le bureau de NEAC. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'il y a un bureau qui s'appelle NEAC? Et si c'est le cas, de quoi s'agit-il? Après la naissance de votre premier enfant, où est-il? ตัวปีกูนที่มวยรบหลกสรัยบ้านจับกำนาดมาน้องหลกสรัยนาวกันหลายนาได้
Hier, vous avez également déclaré que environ 10 à 15 jours avant la chute de Phnom Penh, votre mari vous avait quitté en disant que la chute de Phnom Penh était imminente. Est-ce exact? Est-ce qu'il vous a dit ce qui allait se passer au moment de la chute de Phnom Penh? Et ça ne vous intéressait pas? ខ្ញុំគិតថាការនឹងប្រកាងារវាសំខាន់ដែរដូច្នេះផ្នែកខាងនយោបាយអ្នកដឹកនាំអានឹងយើងខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងតាការងាររបស់ខ្លួនឯងសំខាន់មិនសំខាន់គឺថាផ្ដោតភ្ជាប់លើការងារ Vous avez également déclaré hier que, je crois, environ une semaine après la chute de Phnom Penh, alors que vous étiez à Stone Trang, que Sampan est venu vous rejoindre. Et il a passé la nuit avec vous. Est-ce exact? Quand avez-vous revu votre mari après la chute de Phnom Penh? Et où? C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh? Vous-même, madame, comment avez-vous appris la chute de Phnom Penh? ពេលនោះដឹងថាគេវាយគ្នាផ្នែកម្ខាងហើយខាងអ្នកបដិវត្តន៍វាយលើម្ខាងទៅហើយដោយខាងបដិវត្តន៍ឈ្នះអានឹងជាការដួលរលំខ្ញុំឃើញអញ្ចឹង
Avez-vous su, madame, que Phnom Penh, comme d'autres villes, a priori, ont été évacuées? Avez-vous vu ou avez-vous entendu parler de populations obligées de quitter Phnom Penh et évacuées sur les routes? ការពីមុនដំបូងទៅតែរំដោះហើយយើងខ្ញុំក៏អត់បានដឹងនេះដែរ On va revenir sur votre arrivée à Phnom Penh. Mais au préalable, j'aimerais que vous nous disiez si votre mari, M. Khieu Samphan, vous a fait partager son expérience de la prise de Phnom Penh. Est-ce qu'il vous a dit comment les événements s'étaient déroulés? Est-ce qu'il vous a dit ce qui s'était passé? Est-ce qu'il vous a dit ce que allait être votre avenir? Quát mình đây ban để dây bị rương cả từ mục dương giang mấy ai giang mấy nhom quát còn mình đây tí còn là thay chỗ tới hay càng nghe nâng tư quát đây thì gì gặp Madame Lục Sĩ. Est-ce que vous savez si votre mari avait une famille, une mère, des frères, des sœurs, des amis qui vivaient à Phnom Penh? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il vous a dit ce qui leur était arrivé? ហើយគាត់មានធ្លាប់ប្រាប់លោកស្រីអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់ក្នុងដែរឬទេក្រោយមកគាត់ធ្លាប់និយាយអំពីបងប្អូនគាត់ដែលជំនះទៅ Vous en a-t-il parlé? Donc, pendant plus d'un an, M. Khieu Samphan a vécu à côté de vous, sachant que sa famille, ses frères, ses sœurs avaient été évacués de Phnom Penh et ça ne l'a pas affecté. Vous n'avez rien noté, il ne vous a pas posé de questions, il ne vous a pas parlé de ça, il n'a pas cherché à savoir où ils étaient. Quạt ban đi dây, hay đòi cái đây cái hai thà, ruồi bà róm đây, giờ bị xe cứ bong ấp ôn quạt đây chúng liên tư quạt mình nứt màn chẳng đá nữa, ai quạt mình dây prap hiom, thầm đăng tự đo nam đăng tự đo này tê,
nâng quạt miền dây tập bằng nâng hay nâng dạng mạch dạng mà đến bà hai ấy quạt miền bằng thai một quạt tháng bà hai chìa mình ấy thế tạm mơ bị bố kê chùm liệt tớ kê miền cả lại nhỏ nâu mình ấy thế tạm mơ à chẳng nâng quạt miền dây chẳng mèn. Il vous a dit ça au bout d'un an. Hai kwat ni yi prab lok srei yang doch neh nang tol ta ma chnam chieng kraoy hai mau te chang eh. Cha. Alors venons-en à votre séjour à Phnom Penh. Hier, madame, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit, vous nous avez décrit des conditions de vie qui étaient particulièrement pénibles. Des repas jusque frugales. Des logements sans aucun confort, sans aucun meuble. C'est bien ce que nous devons comprendre. Avez-vous manqué de nourriture pendant cette période où vous étiez à Phnom Penh? Avez-vous vu, madame, des gens, des enfants, des nourrissons, des vieillards, mourir de faim? Avez-vous vu cela autour de vous? Que ce soit à la pagode d'argent, à Caen, à K3. Est-ce que les repas étaient pris en commun? Est-ce que vous mangiez la même nourriture que Nguyen Chia, que Yang Sari, que Van Vett, est-ce que c'était les mêmes repas, la même nourriture pour tout le monde? Et donc la nourriture était insatisfaisante. C'est ce que j'ai compris hier de votre déclaration, madame. Est-ce bien exact? Est-ce que vous avez remarqué si monsieur Yang Sari, si monsieur Nguyen Chia avait beaucoup maigri, beaucoup souffert de malnutrition pendant cette période? การนึ่งอาหารเจริญมันเจือกว่าหมูไอ้ประมาณเต๋อก่อนแต่ท้าจึงปีสังเกตมาอย่างอัดเมียนไอ้หกนึ่งอัดไอ้ก็อัดเมียนไอ้คือหกนึ่งจ้าเมียนในประเด็นเต๋อ Alors, est-ce que votre mari, il vous arrivait de lui dire que parfois il pouvait faire des bons repas, de participer à ce qu'on appelle
des banquets. Vous étiez au courant qu'il y avait des banquets à Phnom Penh au temps du Kampuchea démocratique? Monsieur le Président, je voudrais savoir s'il serait possible au service audiovisuel de projeter sur les écrans un certain nombre de photos. Il s'agit des photos E190.1.178, E190.1.82. Voilà. Serait-il possible d'afficher successivement ces images à l'écran? On va peut-être revenir un peu plus tard, le temps que les choses se préparent sur le plan technique. Mais sur une autre question, vous nous avez longuement parlé de vos difficultés dans l'installation, dans vos installations à K1 et K3. Je voudrais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé, madame, de vous rendre dans l'ancienne maison de la famille de votre mari? La maison où vivait la famille de votre mari au moment où celui-ci est parti, puis quitté Phnom Penh, au moment où vous êtes revenu. Est-ce que vous êtes allé visiter cette maison? Vous n'en aviez pas les clés? Vous n'y êtes donc jamais allé? Alors, Monsieur le Président, serait-il possible de remettre à Madame Sosochiat un document? C'est le document E3/385. Il s'agit du procès-verbal d'audition d'un témoin que nous devrions prochainement entendre. Comme on doit prochainement l'entendre, je ne peux pas donner son nom. Je pense que
son conseil pourrait indiquer à Madame Sochiat quelle est cette personne et on pourra lui demander si elle connaît ce témoin. Voilà, donc si il est possible de remettre ce document à Madame Sochiat. Alors, je ne vous demande pas de lire tout ce procès-verbal interrogatoire, je vous demande simplement de me dire si vous connaissez cette personne. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous savez qui c'était? Bien, on a tenté d'éviter de donner le nom de cette personne. C'est un peu trop tard. Donc effectivement, il s'agit du procès-verbal d'audition du nommé Leng Chun. Et il se trouve que cette personne a été ou a exercé les fonctions de chauffeur de votre équipe. Alors, vous nous dites que vous connaissiez un chauffeur qui s'appelait Chun. C'est bien exact. Alors, voilà ce que dit Chung. J'ai souvent accompagné Kyo Sampan chez sa mère, qui vivait dans les environs de Bung Keng Kong. Dans sa maison, il ne me semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. J'ai vu qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour les invités, ainsi qu'un hamac dans lequel ils se reposaient. Il n'avait pas de secrétaire personnel, ni personne pour s'occuper du téléphone. Mais, à l'intérieur de la maison, il y avait un téléphone fixe pour son usage. Il partait travailler. Quand il partait travailler, il fermait la maison à clé. C'était lui et sa femme, Rin, qui détenaient les clés. Alors, ça vous rappelle quelque chose ou Pourquoi avoir dit tout à l'heure que vous n'étiez jamais allé dans la maison de votre belle famille? Oui.
Tại tẹt nâng cư chếp tẹt còn ta nâu mình men chếp tẹt. Men chếp tẹt rồi bọc quạt tế. Tẹt kê riêp chóm ôi nâu. Cả rồi bên bàn tổng màn khai cả rồi mỏ nâng bàn kê vô quạt máu. Nâng khiêm bàn tư lì. Xong tốt mấy lúc bạn xuống nhóm thả tế rộ bọ lúc khiêu xong phón đai thu lọm lực nông pinh nhóm ở nhóm ở đây sao ở đấng tế để lúc chương thì dây ní cứ phênh thật tế để quạt thu lọm nông tư ní tế để nơi cỏi bê để nông pinh rụng đó. Avez-vous rencontré ou non votre belle-mère? Alors, elle s'était cachée au moment de l'évacuation de Phnom Penh? Où est-ce qu'on l'a trouvée? Comment l'a-t-on trouvée? Comment votre mari a-t-il pu rencontrer à nouveau sa mère? Nơi vọt lục hay đò chanh bị vọt lục nâng tớ tam khùm nẹ đè squal chẳng tớ chả xua kê tớ ban tớ chụp quạt nơi prầy. Donc, si je comprends ce que vous nous dites, votre belle-mère est partie de Phnom Penh avant l'évacuation de Phnom Penh? Elle est partie de Phnom Penh avant le 17 avril ou après le 17 avril? Et donc, elle a retrouvé son fils. Elle l'a retrouvé où? À K17, à B20, à Stung Trang, à Chinit, où? Et comment a-t-elle su où trouver votre fils, votre mari? Est-ce que Kieu Sampan avait demandé à sa mère de le rejoindre? Cứ quạt tranh máu đòi quạt nơi cái lại nơi nông bên ban bộ cô ấy quạt khai đại côn tranh máu hái quạt khai đấy rồi cho nên quạt từ nơi quạt ban quạt tranh bị quạt máu quạt tranh từ phum nó cứ squal kê squal ai chân tới cho ta chia tay chia ai tới cho mùi kê từ phum hái cho ta xua kê to tớ hay bê lúc ta mơ miên nét đè đôi chìa nơ tàm khum tàm khum đè rụng đó hơi khá kê squal tàm lưu quận dây chẳng kê cho ta nuông quạt màu ai khang quát đôi ọt đăng ấy quạt vẹp nhóm quạt thai quạt ọt đăng đáy nâng
Sẹp ta tơ khơi. Có thể có ọt đăng sọ, ọt đăng mặt ai quạt tơ sọ. Et votre belle-mère, est-ce qu'elle cherchait à savoir où étaient ses autres enfants après l'évacuation de Phnom Penh, après le 17 avril 1975? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus, vos beaux-frères et belles-sœurs? ក្រោយរំដោះហើយគាត់ព្យាយាមដែរគាត់ខំសួររកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងថានេះដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយគាត់ដែរថាដឹងយ៉ាងម៉េចទេម៉ែនឹងនៅណាឯណីឯខ្ញុំក៏អត់ដឹងគាត់ក៏ធ្លាប់និយាយដែរ Bien, on va changer de sujet, j'ai peur qu'on n'aille pas très loin. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu l'occasion de quitter Phnom Penh. Est-ce exact? Est-ce que pendant la période du Kampuchea démocratique, vous êtes toujours resté à Phnom Penh? Ou bien est-ce que vous avez eu l'occasion d'effectuer des déplacements? ធ្វើការផ្លាស់ទីធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីនៅក្នុងប្រទេសដែរនឹងខ្ញុំអត់មានដែរបានចេញទៅណាទេក្រៅពីនៅផ្ទះមានម្ដងមកកាលចេញតែជិតៗប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអត់ចាំទេចឹងជិតៗដូចទៅលេងម្ដាយ Quand vous dites votre mère, c'est votre belle-mère ou c'est votre propre mère? Vous est-il arrivé d'accompagner votre mari lorsque celui-ci visitait la campagne avec le prince Norodom Sihanouk et son épouse? Est-ce que cela vous est arrivé? Procès verbal d'audition de M. Kim Von, document E3-380. ERN en français 00-48-54-34, ERN en anglais 00-36-56-46. Voilà ce que dit ce témoin. Quand Samdek Sihanouk et Samdek Pednouk sont allés dans les coopératives, j'ai vu Khieu Samphan et sa femme les accompagner partout. J'ai vu tout ça parce que j'allais chercher des informations dans les coopératives. Je les avais rencontrés là-bas par hasard. Donc, est-ce que c'est un témoin qui se trompe? Je ne sais pas.
ចាសសំទោសខ្ញុំអត់ដែលសំបីតែម្ដងក៏ខ្ញុំមិនដែលចេញទៅជាមួយសម្ដេចលោកមហេសីគណៈមហេសីឬលោកតាប៉ែននុតសំបីតែម្ដងតែបីតែឃើញមុខក៏មិនដែលអត់សោះតែម្ដង mình đang chia sẻ xây cái khơi nhẹ ná nhầm ọt ọt xó mình đang xông bà chùm riêng đòi xông ọt Quân, lúc sẽ có một quân dạ xây mà lần này đọc về xâm rạ hay anh mẹ các xâm rạ một phần tí chạp từ phần tí tên hồ đồng mong là đọc môi khóa đọc nền tí xong mà chương trình chỗ bên nhầm mình tỏ cái chùm rạ ca xạm rạ ca một rời đoạn bà tà ca tổng rộp đòi cái lấy xâm rạ nập tổ rộng trăm thì mẹ dạ xây thằng nền chùm biến đó xã xây dựng đi nơi không nông lòng về chụp làm rác nâng ao yên chuyên con từ lòng một căn cả lại đó thể cảm đi vinh nơi vì liềm màu đỏ môi các bạn đỏ nền tì làm rác cho xong cao chờ